Consultante en management de qualité du cabinet de conseil d'accompagnement à la certification ISO et d'autres normes. On a comme objectif principal contribution au développement de la qualité. Le produit intérieur brut des pays voisins, qui sont la Tunisie et le Maroc, les Roumains des pays exportateurs, surtout sur les produits agricoles. Je ne sais pas si vous avez l'information, mais Tunis, pour l'année 2020-2021, est le premier pays exportateur des dattes en termes de valeur de marchandises. Et les Maroc, les agrumes sont très très avancés, ou même le marché européen qui est un marché très exigeant en termes de normes. En tant que cabinet de conseil, on accompagne les exportateurs, on accompagne les opérateurs économiques pour comprendre c'est quoi une norme, c'est quoi une prescription technique, c'est quoi un règlement technique pour pouvoir pénétrer le marché. Et on a créé dernièrement, qui m'appelle, je suis tout à fait d'accord avec M. Boukhalfa, il a parlé de l'exportation de services, donc on a créé une plateforme derrière comme elle est en bas. L'objectif était. On a comme objectif percevoir l'importance qu'il y a à fournir des produits et des services de qualité aux clients étrangers. Être avisé de la nécessité de comprendre les prescriptions techniques et d'être en conformité, donc le respect de ces prescriptions techniques. Et on va annoncer le lancement de notre plateforme d'exportation, une plateforme digitale numérique. Et on a parlé avec monsieur le directeur, vous serez capable d'annoncer vos produits sur la plateforme, Inch'Allah. On va arriver comme le lien, si vous êtes intéressé, ça sera gratuit pour vous. Je vais commencer par la définition de la qualité. Qu'est-ce que la qualité? En tant que qualité, je vous donne la définition par rapport à la norme ISO 9000, qui est une norme internationale. Intéressés tels que les clients, les fournisseurs ou la société. La qualité, tout ce qui est besoin et attente, ils sont soit implicites, soit prescrits. C'est-à-dire ils sont soit bien définis par le client ou fournisseur d'analyser le marché des il doit être en conformité le produit intérieur par rapport aux besoins de marché. C'est-à-dire, si on produit pour le marché local, le marché général, et les attentes prescrites des parties intéressées, les hommes des clients, donc c'est le marché cible, et les fournisseurs de la société. Mais un service de qualité coûte-t-il plus cher? Quel est l'intérêt de fabriquer des produits de qualité, de fournir un service de qualité? Je n'ai rien à dire à la qualité de produire un produit de luxe, un produit trop cher. Et de la qualité est une question. Quand les fabricants et les prestataires de services disent que la qualité coûte plus cher, ils confondent entre la qualité de conception et la qualité de conformité. Si par exemple, vous voulez acheter ou vous voulez avoir une limousine, une voiture, donc elle est dotée de certaines caractéristiques. Ce qu'on appelle la qualité de conception, donc c'est la qualité de fabrication. Au contraire, si vous voulez acheter une simple voiture, donc faites les caractéristiques des équipements de base. Donc ici, la différence de prix, c'est par rapport aux caractéristiques présentes dans le produit. Mais si vous parlez de la qualité de conformité, c'est autre chose. Donc c'est dès le départ, dès le début de la production jusqu'à la fin. Et
des coûts de non-qualité, c'est-à-dire des déchets, c'est un gaspillage d'argent, il n'y a pas des instructions de travail, les personnalités n'est pas bien formées, je n'ai pas un certificat d'analyse si je suis agricole ou alimentaire. Donc tout ça rentre dans tout ce qui est qualité de conformité. Donc, le degré de conformité des produits de service à la qualité, il est possible d'obtenir une meilleure qualité de conformité en appliquant le principe de la gestion de la qualité. Donc, si je gère bien la qualité dès le début de la production, je garantis que le produit à la fin, il sera un produit de qualité.